Tout le monde, c'est Sotini, que je trouve pour une nouvelle vidéo sur Deadtomb et j'ai un petit problème avec, avec ce jeu. Donc vous avez pu le voir dans le titre. En fait, mon micro, il buguait, j'avais déjà fait une vidéo dessus, et il buguait très très fort. Ça veut dire qu'il y avait un bip sonore qui montait le volume. C'était très très chiant. Donc, excusez-moi, je suis un petit peu portée. En fait, ça a monté le volume. Et du coup, à chaque fois, ça, non, ça montait, ça soit montait le volume, soit ça faisait un gros bzzz, mais vraiment un tuuuut. Yo tout le monde, c'est Sotini qui se trouve pour le deuxième épisode de Deadtomb. Alors la dernière fois, on avait déplacé notre base, un truc vraiment très très chiant. Et le problème, c'est que j'avais fait une vidéo, normalement, qui a été l'épisode 2. Sauf que dans l'épisode 2, bah ça c'est pas celui-là, mais dans l'épisode 2, en fait j'avais fait tout le truc, du coup j'avais bien avancé dans la base. Sauf que quand j'ai vu que, bah quand j'ai fait le montage, j'ai vu que ce bruit était, et il était toute la, bah presque toute la vidéo. Du coup là j'avais pas le choix, soit je mettais en ligne, soit bah je faisais l'épisode 2, qui normalement celui-là est l'épisode 3. Donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait. Donc là vous voyez que là... j'ai fait beaucoup de trucs. Alors déjà, on avait fait, on avait construit une moto. D'accord. Désolé. C'est mes voisins. Je suis désolé pour le bruit en arrière-fond. Donc, j'en avais construit une moto. Et on avait récolté plein de trucs. Déjà, on avait récolté 3 tickets qui pouvaient faire une centrale nucléaire. Bon, mini centrale nucléaire. Hein. On avait fait aussi, on avait mis une tourelle. Et ça, qui est une tourelle, mais ça lance de l'électricité. Et vu qu'on avait plus de place, et ben on voulait prolonger, ben on va d'ailleurs dans cette vidéo, on va prolonger dans cette base, ben je pense, j'espère, parce que je suis pas, je lis pas dans l'avenir. Donc là vous voyez, j'avais mis des trucs, ça c'est des barrières où on peut passer, parce que celle-là on peut pas passer, et les zombies peuvent pas passer. Donc ici, là je sais pas quelle heure il est, on va juste manger ce qu'on a, attends, on va cuire ça, comme ça ce sera bon. Hop, voilà. Donc, là, on va créer des barrières pour... Non. D'abord, on va créer... qu'est-ce qu'on... Voilà, ça. On va créer ça. Et on va en mettre un là. On va en mettre un là, comme ça, on va pouvoir mettre des tourelles pour qu'ils détruisent les ennemis sur le côté. On va mettre une batterie, normalement, voilà. On avait récupéré plein de piles. On va la mettre au milieu. Pourquoi ils ont tous attiré? Bon, c'est pas grave. Et on va mettre une tourelle. Pour les tourelles, non, c'est pas ça. C'est, voilà, ça. Et on va en faire deux. Comme ça, on va créer deux tourelles, un pour chaque côté. Une pour chaque côté, pardon. Hop, on va en créer une ici. Hop, on va la mettre vers le milieu, comme ça, au moins, elle pourra tirer sur les ennemis. Et on va en créer une ici. Donc voilà, donc là les tourelles ils défendent ça et cette partie-là. Alors pour l'instant, je sais pas si c'est un épisode, on va aller jusqu'ici, bah j'espère en tout cas, mais je suis pas sûr et certain. Donc là j'ai envie de créer un drone, parce que vous voyez, il nous demande juste une arme pour créer un drone, donc ouais on va créer le drone. Alors il nous manque juste... ah c'est pas ici qu'on l'a créé, c'est pas ici qu'on l'a créé. Non, je vais pas créer une tronçonneuse, c'est voilà, c'est ici. Oh putain. Ça me saoule. Du coup, il faut une autre arme. Les voisins, c'est assez pénible. Hein. Non, c'est pas ça, j'allais encore créer autre chose. Hop, donc, normalement, mais on ne sait pas ici. Et voilà, on a notre drone. Bon, là, on le place et il va tirer sur les ennemis. Hein, un petit peu comme une mitraillette. Et je voulais créer autre chose aussi. Et si on se crée une lampe? Ouais, on va se créer ça. On va se créer une lampe. On va la mettre ici. En fait, la lampe, bah, ça va éclairer, mais ça va utiliser de la batterie. Faudrait un autre truc comme ça. Bon, on va en créer un deuxième. Comme ça, au moins, on sera safe. Hop. Voilà. Non. Voilà. Alors là, du coup, il y a double production parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont sur cette batterie. Donc, elle risque de se charger. Alors ça, c'est pour cuire. Ah, ça va sur la moto. En fait, ça fait un espèce de...
C'est un espèce de des pics qui vont aller devant. Et ça va. Ah, ça va faire que quand on tapera dans un ennemi, ça va lui faire des dégâts. Bon, je vais pas en le faire. Donc là, on va aller fouiller un petit peu. Ouh, déjà un drone. Hop, hop. Donc, je vais fouiller. On va faire un petit accéléré, un avance rapide. Et je se retrouve juste après quand j'aurai tout fouillé. Et la moto, par contre, ça va beaucoup trop vite. Et c'est un petit peu difficile à contrôler. En plus, ça bug un petit peu. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Oh là 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 là, cette série part totalement en couille. Alors là, vous pouvez voir qu'on a fait beaucoup de trucs dans notre base. En fait, c'est qu'on est après. Tout ce qu'il y aura après, c'est ce qu'on est après. Après la vidéo. Alors, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va essayer de battre le mec. Alors, pour cela, on va prendre la moto et on va aller voir le boss. Oula, je suis désolée, mon micro vient de tomber. Ça a dû faire un bordel pas possible. Je suis vraiment désolée. Alors là, c'est pas le micro qui bug, c'est moi qui viens de le faire tomber. Alors désolée. Donc, ouais, je viens de me dire. On va. En fait, là, j'ai eu de gros problèmes en ce moment. C'est qu'il y a presque tout le milieu de la vidéo. Il vient de tomber en ruine un petit peu. On va pas le dire comme ça, mais il vient d'être gâché. Car j'avais déjà eu des problèmes avec mon micro et ça, vous l'avez entendu au milieu. Sauf que là, pourquoi je vous fais ce petit truc? C'est en fait le moment de la vidéo. Oh, ça veut rien dire, ce que je dis, je me répète, c'est impossible. Attends, j'essaie de t'expliquer. Attends, je réfléchis à ce que je vais dire. C'est bon. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, moi, là. Oh, je vais jamais y arriver, hein. Je vous jure, je vais jamais y arriver. Presque le milieu de la vidéo, je l'ai perdu. Alors, je sais pas pourquoi. Il n'y est plus. Oh, c'est pas ça que je vais faire. Il n'y est plus. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à le trouver. Donc, je vais vous faire bref ce qui s'est passé. Alors, on avait mis quelques tourelles ici. On avait rajouté une mini centrale nucléaire. Parce que en fouillant avec la moto, j'ai réussi à trouver assez de pièces pour la construire. Du coup, on avait construit une parce que on était très juste avec toutes les tourelles qu'on avait mis. Donc, on avait construit ça et on s'était dit pourquoi pas affronter le géant. Le géant, bon là, je ne l'ai pas vu que c'était après. Parce que je l'avais déjà affronté moi. Parce que là, c'est après. Je vous rappelle que c'est après la vidéo qu'on va voir juste après. Oh là là, je sais pas si vous comprenez parce que c'est tellement difficile à expliquer. Oui, voilà, on a plein de drones, hein, c'est normal. Ouais, du coup. En fait, je vous ai dit, on va essayer de battre le boss. Et donc, on se trouve juste après quand je vais essayer de battre le boss. On verra bien si j'arrive à le tuer. Ça, c'est le suspense. À tout de suite. Donc, me revoilà. Voilà. Alors, en fait, j'ai pris la décision. J'ai pris une grande décision. On va attaquer le boss aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, maintenant. Non, j'attends juste qu'ils arrêtent de m'attaquer. Alors, j'ai ramassé beaucoup de choses. Par exemple, j'ai fait une mini centrale nucléaire. Et vous voyez que maintenant, on est large. J'ai aussi rajouté des tourelles électriques et des drones. J'ai rajouté deux drones électriques. Ouais, je crois deux. Ah, pourtant, je pensais trois. Donc là, on va prendre la moto.
Et on va aller affronter le boss. On va aller affronter le géant. Si j'arrive à sortir, peut-être. Hop, voilà. Donc, alors, juste le géant, il est où? Il est de l'autre côté, d'accord. Hop, là, juste des trucs vite fait. Alors, j'ai fait des bandages. Je me suis bien équipé. J'ai fabriqué la batteuse. Là, je suis prêt. Je suis super prêt, là. Là, il va morfler. Par contre, ça, c'est très important parce que c'est assez rare quand même. Il est où ce boss là? Ok, bon, on va passer par la route. Je vous avoue que je suis un petit peu stressé là. Parce que ce boss, j'ai déjà affronté. Bon, j'étais un petit peu plus nul. Mais je suis déjà mort plusieurs fois. Ah, plusieurs fois. Non, je suis déjà mort une fois. Par contre, ça bug un petit peu avec la moto. C'est un petit peu chiant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attirer le boss, le géant. Et on va l'amener dans notre base, comme ça les tourelles ils vont pouvoir tirer dessus. Voilà. Ah non! On peut pas prendre la moto! Oh non! Merde! Ça j'avais pas prévu, ça. Ah merde! Ça j'avais pas prévu du tout. J'avais pas prévu du tout, du tout, du tout. Merde! Je vais me faire niquer, je vais me faire niquer. Ah mais merde, en fait, fallait. On va se faire trop niquer. Heureusement, j'ai fait quelques bandages. Ah, mais en plus, il va trop vite. Ah, putain, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Ah, en plus, il y a l'étoile d'araignée. Ah, mais niquez vos mères, l'étoile d'araignée. Allez, on essaie de se casser. On se casse, on rentre à la base. Attends, la base, elle est où? On se dirige pas du tout vers la base, là. En plus, il perd pas du tout de vie, ça c'est relou. Mais merde, on se dirige à l'opposé de notre base. Tiens, meurs, sale fils. Là, je vais mourir. Non, je suis mort. Non. Heureusement, il y a un petit truc qu'on peut faire. Oh là là, en fait, j'avais pas du tout prévu qu'on n'avait plus le droit de monter. Qu'on n'avait plus le droit de monter sur les. Ah, on n'avait plus le droit de monter sur les motos, en fait. Donc, on va faire un truc, c'est qu'on va regarder une vidéo pour avoir 5 coins. Alors, vraiment, en plus, je fais tout le temps ça. Et on va regarder une vidéo. À tout de suite. Ok, donc on vient de regarder la vidéo. Hop, je sais pas par contre. Ah, le boss, il est plus là par contre. Ça, c'est un petit peu dommage. Ah, et en plus, il n'y a plus le. Il n'y a plus ce qui m'indique ma base. En fait, il faut vraiment un truc ultra cheaté, une arme ultra cheatée pour affronter le boss. Mais je vois pas, en fait, faudrait créer une base, mais juste à côté du boss. Par contre, on va éviter de revenir et on va chercher notre moto. Ah merde. Et du coup, notre moto. Merde. Est-ce qu'elle est indiquée? Non. Ah, mais du coup, le boss, il est plus là. Ah, d'accord. Le boss, vu que je viens de l'affronter. Ah, normalement. Parce que là, je viens de me soigner. Ça j'avais pas. Ah, mais j'ai été bien surpris. Ah, la moto elle est là, c'est bon. Allez. Bon, du coup, il faudrait qu'on crée une base juste à côté du boss. Comme ça, on pourra l'affronter. Ah, ouais, mais ça serait chiant. En plus, il faudrait créer deux bases. On va créer ça. Par contre, je pense que dans plusieurs épisodes, là, on va devoir créer ça. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo. Alors, je sais pas du tout dans pas longtemps. Mais en tout cas, dans quelques vidéos, je vous ferai une vidéo. Comment avoir ce jeu-là, Deadloop Toom, sur tout est illimité. C'est-à-dire qu'on aura toutes les pièces illimitées. Du coup, dès qu'on mourra, eh ben, on pourra acheter, on aura vie illimitée. Ça serait très cool. Comme ça, on pourrait avoir un petit peu tout. Bah, tout d'ailleurs. En plus, on peut acheter des trucs avec de l'argent. Donc voilà. Donc voilà, je vous ferai une vidéo sur ça. Là pour l'instant, en fait, j'essaie de. Bah, je ramasse des trucs en fait. Pourquoi je ramasse des trucs? Je suis trop con. En fait, ils ont dû. Parce qu'avant, il était facile. Parce qu'avant, en fait, là, il fait plusieurs à-coups. Tu vois, avant, il se déplaçait pas comme ça. Avant, il faisait qu'un à-coup. Bah, je crois. Hein. Après, vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais avant, il faisait qu'un à-coup. Et ça faisait. On a dit qu'il était beaucoup plus facile parce que tu restais. Ah, tu devais, t'avais juste à rester immobile, bah, immobile en courant en arrière et c'est bon. Donc là, on va crafter une base. Attends, juste regarde
Ce qu'on a comme thème. Est-ce que. Ouais. Ah, on a 4 des panneaux solaires. Merde. Bon. On va aller. Oh la mince. On va. Ça va être notre deuxième base, on va dire. Et nous, on va aller. Vu que là, pour l'instant, il n'y a pas le. Il n'y a pas le. Pas le mob, par contre, on va se mettre. Ouais, là. Ici, bah là, vous voyez pas, mais. Attends, je vous mets une flèche pour vous voyez. Voilà. Donc, on va essayer d'aller là. Par contre, je suis sûr de rien. C'est où? Non, parce que ça se trouve, non, j'ai totalement à l'opposé. C'est pas là. Merde, je suis pris des éclairs. Il est super chaud à battre. Avant, il avait pas autant de vie. Et, il allait pas plus vite. Ils ont dû le patcher. Bah, non, pas le patcher, justement. Ils ont dû l'améliorer. C'est où qu'on va là? Je suis perdu. Donc là, ouais, on va aller tout droit. On va se créer une petite base. Il faudrait une maison à deux là. Parce qu'il n'y a que des maisons à quatre. Oh, un truc pour faire des mini centrales nucléaires, ça c'est pratique. Il n'y a pas des maisons. Ah si, en bas il y a des maisons. Ah putain, par contre, s'il commence à faire nuit. Oh, merde. Là. Non, pas celle-là. Celle-là, oh, il y a quatre portes et ça m'énerve. Bon, allez, on va prendre. Ça va prendre celle-là, celle du milieu. Par contre, non, 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 faites gaffe. Hein. Attends, on va juste équiper le marteau. En plus, j'avais mis une montre, j'avais mis une armure, j'ai mis un silencieux, putain. Ah, les bâtards. Il faut du soin, il faut du soin. Putain, je suis dans la merde. Là, par contre, je suis dans la merde. On va juste crafter une petite. Tape comme ça. On va la mettre comme ça. Dedans, on va crafter ça. On va la mettre juste à côté. Et là, le problème, c'est que faudra aller vite parce qu'il faudra que je construise des tourelles. Le problème, c'est que là, il y aura beaucoup plus de mobs que comme si on commençait dès le début. Du coup, là, j'ai. Ah ouais, j'ai mal fait de faire. Ah, putain. Ah non, on peut plus utiliser. Donc là, non, on va venir à notre base et on espère. Non, je vais pas détruire. On va revenir à notre ancienne base. Et on espère qu'ils vont pas détruire celle qu'on vient de construire là. Bah, j'espère en tout cas. Bon, de toute façon, on vient de construire. On n'a pas construit grand-chose. Hein. Juste une barrière et. What? Oh là, oh là, oh là, oh là. Je bug tellement avec cette moto. C'est tellement chiant. On est déjà à la vague 1. Mais il est où le truc? Il est là. Bah. J'ai perdu ma base. Ah non, elle est là. J'ai pas vu. Oh là là, vite. Ah, mais ça bug en plus, regardez. Là, je suis en train de tourner. Ça bug de ouf. Voilà. Attends. Je pose. Mon jeu, il lag. Mais pas possible. En fait, je pense qu'il y a trop de mobs et c'est ça qui fait laguer le jeu. Putain. En plus, on voit rien, là. Ah. Hop, voilà. Là, c'est la vague 1 déjà. Ok. Bon, on se retrouve juste après. Hein. J'ai fait une petite coupure parce que je pense que ça vous intéresse pas de me voir combattre les zombies. Hein. Vous connaissez de toute façon. J'ai déjà vu plusieurs fois. Donc voilà, je vais faire une petite coupure et on se retrouve le matin pour essayer d'aller construire notre future base. Pour tuer le mec. Ah, pour tuer le boss. Attends. A tout de suite. Ok, re les gens. Alors voilà, j'ai enfin terminé. Ah, j'ai enfin terminé la base. Alors, vous voyez, j'en ai profité pour rajouter quelques drones. Bon, quelques, j'en ai rajouté plein. J'ai rajouté des drones lampes, des drones qui sont normaux. Et voilà la maison. Alors, je sais pas si j'ai dû le dire. En fait, on va attirer le géant ici. Et du coup, il va se faire niquer par les bails. Les tourelles vont m'aider à le tuer. Donc, et j'ai pris une nouvelle arme aussi. Parce que j'ai vu que, regarde, celle-là, elle fait 32 dégâts. Et celle-là, elle en fait 189. Donc, c'est beaucoup mieux que celle d'avant. Par contre, celle-ci, elle peut être rechargeable qu'avec de l'électricité. Par exemple, là, vous voyez que je la recharge avec de l'électricité. Et j'en suis à 9999. Alors, je sais pas combien ça prend pour faire un tir. Ça dépend, je pense. Donc, on va tout de suite aller affronter le boss. Attends, c'est pas ici. Ok, il est juste devant nous. Ok, alors j'ai même fait un petit peu trop loin là-bas, je pense.
d'être. On s'approche. Faire gaffe. Parce que dès qu'on va, faudra faire un gros sprint. Hop, c'est bon. Allez, on faut courir. Voilà. Je suis stressé. Alors j'ai droit à le devis. Putain, les araignées. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Oh là là, il arrive, il arrive. Il arrive, il arrive. Allez. Yes, on arrive à notre base. Déjà, il se fait un... Il se... Allez, on tire. On le bombarde. On le bombarde. Là, là, plus de pitié. Oh, ça fait masse dégâts. Ça fait mal dégâts. Ça fait plaisir. En plus, il se fait niquer par les tourelles. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Allez, je vous bombarde, là. Je suis stressé. Pourquoi les tourelles tournent pas? Tes tourelles tirent pas. Vite, vite. Faut que ça tire. Ah, merde, ils tirent pas. Ah, ils sont intelligents, les développeurs. Ils sont intelligents, il a la moitié de sa vie. En plus, j'ai augmenté. Du coup, il fait beaucoup moins mal. J'ai rien dit, en fait. Il fait très, très mal. Allez. Allez. C'est ça. Allez, tu vas mourir, mon coco. Parce que faut pas que je... Ouh, il est rouge. Il a plus de vie. Il a plus de vie. Mais on va le tuer. On va le tuer. On va le tuer, les amis. On va le tuer ensemble. On va réussir à le tuer. Oula, oula, oula. Oula. Allez, allez. Oh, il va beaucoup plus vite. Il est beaucoup plus vénère. Attends. Juste au cas où, on va se prendre un petit kit, hein, parce que on sait jamais. Est-ce que là il est venu? Oh, on l'a tué! On l'a tué et on gagne quoi? Alors, voyons voir ce qu'on a gagné. Bon, là il y a beaucoup de monde. On a tué et en fait, on a beaucoup moins eu besoin d'électricité que je vais y penser. Toi, j'avais mis 6000. Mais bon, c'est pas grave. Bon, oh, on l'a tué. Oh putain. C'est trop bien, bon. On va juste regarder ce qu'il nous a droppé. Alors, il nous a droppé des radioactives. Ça, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il nous a droppé de... Ah, une clé. Clé number 3. Je sais pas ce que c'est. Et c'est tout. C'est nul. Attends, je crois qu'il nous a trouvé un... Ah, voilà. C'est quoi, ce truc? Plastique est mort. Défense plus 7. C'est un truc cheaté, non? Attends, je vais juste regarder ce que fait l'armure normale. Défense 9. Speed moins 1,5. Ah. Ah. Ah, d'accord, en fait, 3 fois A. En fait, ça fait... c'est un petit peu la même chose, sauf que ça fait pas les moins 1,5, donc c'est mieux. Donc je vais la prendre. On va tout de suite aller recycler toutes les armes qu'on a, parce que j'ai vu qu'on avait plein d'armes. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que je regardais plein de vidéos dans les caisses, là, qu'on a eu pour avoir des armes. On l'a bien bien niqué, hein, le boss, là. Bon, j'avoue, avec tous les drones qu'on avait et... Alors, les tourelles, par contre, tiraient pas dessus, je crois. Hein. Je crois. Après, je suis pas sûr, mais je crois que les développeurs, ils ont fait en sorte... Parce que vous pouvez voir, je vous mets une vidéo en haut à gauche, que avant on pouvait utiliser les vélos. Donc, ils ont fait en sorte qu'on puisse plus les utiliser. Donc, c'est un... C'est dommage, c'est sûr. C'est un petit peu cheaté. Tu venais et hop, tu prenais le vélo, tu retournais à ta base et t'attends... Bah non. Ah, je sais pas. Ça va peut-être qu'après, ça n'a pas été patché parce que moi j'ai utilisé avec les motos. Avec la moto et ça m'a fait ça avec la moto. Alors peut-être que ça n'a pas été patché avec les vélos. Je sais pas. Donc en tout cas, moi je suis content. On a nuqué le boss. Alors moi j'espère que la vidéo vous a plu. Bon là, c'est tout. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.